Sarah est infirmière. Voici Sarah. Elle est infirmière. Elle est grande et mince. Elle a 28 ans. Elle travaille dans un hôpital. Elle s'occupe des patients. Certains sont juste de passage. D'autres sont hospitalisés et restent sur place. Sarah se lève à 6h du matin. Chaque matin, elle prend une douche et s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner à 6h30. À 7h, elle se rend en voiture à l'hôpital. Sarah commence à travailler à 8h. Elle nettoie les chambres de l'hôpital. Ensuite, elle aide les médecins. À midi, elle déjeune. Elle rentre chez elle à 5h du soir. À la maison, elle prend de nouveau une douche, puis elle prépare le dîner. Le soir, elle dîne à 7h30. Ensuite, elle regarde la télé, passe du temps avec son mari et traîne sur Internet. À 10h, elle va se coucher. Le week-end, elle se détend et dort avec sa famille ou ses amis. C'est bien ça là? C'est bien. Alors maintenant, on va répondre aux questions, d'accord? D'accord. Alors, la première question, comment s'appelle cette femme? Alors, cette femme, comment elle s'appelle? Cette femme s'appelle Sarah. Très bien. Alors, voici la réponse. Cette femme s'appelle Sarah. Très bien. Quel est son métier? Qu'est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle travaille? Elle travaille dans... Non, non. Je t'ai pas demandé où, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est... Infirmière. Très bien. Alors, elle est infirmière. Alors, son métier est infirmière. Mumarrida. D'accord? D'accord. Où travaille-t-elle? Alors, regarde. Une infirmière. Est-ce qu'elle travaille dans une école? Non. Est-ce qu'elle travaille dans une usine? Non. Alors, où est-ce qu'elle travaille? Elle travaille dans un hôpital. Très bien, excellent. Elle travaille dans un hôpital. Il y a une fille, Moustachfa. Alors, de qui s'occupe-t-elle là-bas? Alors, à l'hôpital, de qui il s'occupe? Est-ce qu'il s'occupe des élèves? Non. Non, alors de qui? Il s'occupe? Des patients. Très bien, il s'occupe des patients. Les patients, mal et malades. Moi, donc, nest les malades. D'accord? D'accord. Il s'occupe des patients. Très bien. Alors, comment seront-elles au travail? Alors, je vais t'expliquer la question. Est-ce qu'il va au travail en prenant le bus? Non. Le train? Non. Alors, qu'est-ce qu'il utilise pour arriver à son travail? Voiture. Ça? Sa voiture. Alors, on va formuler la réponse. Alors, comment seront-elles au travail? Alors, elles seront... Au travail en voiture. Très bien. Alors, ils seront au travail en voiture. Très bien. La question suivante. Est-ce qu'elle se lève à 6 heures? Alors, qu'elle se lève à 6 heures? Alors, on doit chercher la réponse dans le texte. Oui. Oui. Alors, oui, elle se lève. 6 heures. Alors, tu formules la réponse. Oui, elle se lève à 6 heures. Très bien, elle se lève à 6 heures. Alors, est-ce qu'elle prend son petit déjeuner à 7 heures? Oui ou non? Alors, on doit chercher. Alors, regarde, chaque matin... Non. Voilà, alors alors à quelle heure il prend son petit déjeuner? 6h30. Très bien, alors on a la réponse. Est-ce qu'elle prend son petit déjeuner à 7h? Non. Elle prend son petit déjeuner à
à 6h30. Très bien, excellent. Alors, la question suivante. Où prépare-t-elle son dîner? Alors, le dîner. Alors, regarde, il y a le petit déjeuner. Oui. Il y a le déjeuner. Oui. Il y a le dîner. Oui. Le chat. Alors, où est-ce qu'elle? Alors, où prépare-t-elle son dîner? Fika taïb la chèdi yala. Elle prépare le dîner. Ou bien son dîner où? À la maison. Très bien. Elle prépare son dîner à la maison. Bravo. Alors, est-ce qu'il vit en couple? C'est-à-dire, est-ce qu'il vit seul à la maison? Elle vit avec qui? Avec? Avec son mari. Son mari. Et Dalia est mariée. Msouja, un darajla. Alors, est-ce qu'elle vit en couple? Oui. Elle. Continue. Oui, elle. Oui, elle. En couple. Elle vit. Il vit en couple. Elle vit en couple. Très bien. À quelle heure déjeune-t-elle? Alors, qui est le petit déjeuner ou qui est le déjeuner? Il est mariée jusqu'à Tirda. Alors, elle déjeune à quelle heure? À midi. Voilà, à midi, elle déjeune. D'accord? Ou à l'rida. D'accord. D'accord, le déjeuner ou à l'rida. Alors, c'est très bien, Salah. Bravo, tu as bien répondu aux questions. Excellent travail.